Non, lo so. C'è l'aria che tira oggi, qua mi sono allontanato anche per vedere la ventola. Adesso provo a spegnere la ventola qua. 9918, the video game master. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, qui vous propose un QSY sur le 27-485. Le 27-485. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur de Saint-Émilion. Au secours. Ah, il a fallu que je tombe là, ouais. Oui, 73, activation de 14 km, 3301, opérateur Rémi du sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Oui, la 73-51, ici 14, Mike, Alpha, Romeo, séparation Delta 57, activation du département de la Moselle, et l'opérateur c'est Arael. QSL. Oui, QSL, j'ai eu un petit problème pour comprendre, pour avoir le Roger du prénom de l'OM. Arail, je crois, si j'ai bien compris. Enfin bon, le département de la Moselle, ça ok, si bien compris. Donc les 73-51 retournés de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Voilà, sur le sud-ouest de France, dans le secteur de Saint-Émilion. Oui, 14 km, Mike, 33, tu me donneras un peu sur le numéro d'indicatif. Ici, c'est 14. Mike, Alpha, Romeo, séparation, Delta, 57. L'opérateur, c'est Harald comme hôtel. Alpha, Romeo, Alpha, Lima, Delta. Vous êtes 57 et vous êtes dans le long, QSL. Ok, 100% QSL, Harald, ça marche, c'est bien reçu, là, c'est bien QSL là, de mon côté. Donc je répète mon indicatif, 14, kilo, Mike, 3301. Voilà, 14, kilo, Mike, 3301, opérateur Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee. Voilà, sur le secteur de Saint-Émilion, plus précisément sur Sainte-Colombe. Il n'y a pas de problème, Rémi. De mon côté, ce matin, ce matin, là, tout est blanc, là, chez nous, là, voilà. Il n'y a pas de problème. Rémi, tu trouves pas que je suis sur le cœur des hits, vu que j'ai moi-même le QSL manager de l'activation, du département de la Moselle. Je me suis dit à 15 km de la frontière allemande de la division 13. Et à 50 km de la ville de Metz, et sur 15 km de Strasbourg. Voilà, Rémi. Ok, 100% QSL, comme qui dirait, c'est dans la boîte. Avec votre permission, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Toutes les informations là sur l'expédition sont enregistrées, sont dans la boîte, si ça ne vous dérange pas. Mais pas du tout. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux faire des listes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Rémi, je te donne l'autorisation. Il n'y a pas de problème pour ça.
Ok, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. À moins que je me trompe, mon QRZ local sur la Gironde, c'est Dandy 33. Peut-être que ça vous parle un peu plus. Ok, 100% QSL. Ouais, je pense qu'on a dû déjà la modulation de l'OM me parle beaucoup. Il me semble qu'on s'est déjà copié, oui, affirmatif. Mais ça fait déjà un moment. Hein. Ça doit faire quelques années qu'on s'était pas attrapé en fréquence. Autrement dit, sur le précédent cycle de propagation, si je me trompe pas. Oui, vous avez des stations que j'entends personne là de mon côté, là sur cette fréquence. Hein, et visiblement, il y a du monde qui vous appelle de votre côté. Je pense que je vais peut-être laisser la fréquence libre pour votre activation. Ouais, il n'y a pas de problème, Rémi, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah, ils entendront ce que vous dites. Hein. Je ne suis pas pressé, je ne suis pas comme les enfants de Hobo, sous Magneta, qui l'ont démarré, qui a pris une petite dose de coupage. Hein. Non, mais ça me fait plaisir d'être retrouvé là-dessus, Rémi. C'est bien ça. Je souhaite quand même encore la bonne année 2021, hein, voilà. J'espère que vous avez tout bien commencé chez moi à la maison, vous avez été tranquillement à la maison. Ça se passe tout bien, malgré le Covid qui se passe. Mais bon, tout le monde est en santé, voilà Rémi. Ok, merci 100% QSL. Ah ben c'est vrai qu'en plus de ça, les événements actuels avec le Covid-19 et tout ça donnent l'occasion de prendre un peu plus le micro. Mais bon, pour ma part, ça me donne davantage du boulot. Vu mon pro, du coup, je travaille beaucoup plus qu'avant. Ok, d'accord. Je vais pas donner les conditions de trafic là de mon côté. Alors, pour ma part, c'est un Yazoo FT450AT avec comme antenne une Sigma Mantova 8. Voilà, c'est tout ce que j'ai là de mon côté, là, au QRA. Et donc, sur antenne verticale uniquement. Oui, ben je suis avec le Kenwood TS570D, le Vice MC80, une poche élément Yagi à 8 mètres du sol, et entre 80 et 100 watts d'origine du poste. J'ai pas menti derrière, et j'ai encore un Kenwood, le TS450D, associé avec le Vice d'origine, et puis un Lincoln, la première génération avec le Vice d'origine. Voilà. Ok, Roger, 100% QSL, eh bien, on est quasiment, on va dire, dans les mêmes conditions, hein, puisque moi, l'antenne est à 9 mètres de haut, donc 8 mètres, 9 mètres, ça joue pas beaucoup. Et je suis... j'allais dire, je suis également avec le micro d'origine. Non, c'est vrai, je suis avec un vieux micro CB de brancher, là, sur le Yazoo. Alors, c'est un Pan ECM 2018. Voilà, c'est vraiment un vieux de la vieille comme micro, là, qui date des années 80, mais qui fonctionne toujours. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah, chie, trois coups, retour. Oui, il n'y a pas de problème, mais tu es de côté de Bordeaux, Rémi. Alors, je suis à 50 km à l'est de Bordeaux, 50 km à l'ouest de Bergerac. Voilà, je suis au milieu entre Bordeaux et Bergerac. Autrement dit, à 15 km au sud-est de Saint-Émilion. Ok, là je suis en train de vous perdre. Hein. Là, la propague a l'air de tourner là, de mon côté. Là, ça a été un petit peu compliqué là sur la fin.
Donc, avant de ne plus du tout s'entendre, merci pour ce petit QSO. Très content d'être en même temps dans l'activation. Les bonnes 73 à vous, 212 au QRA, bonne année, meilleurs voeux, bonne santé, plein de contacts là pour la journée, car ça a l'air d'être bien parti là ce coup-ci là, sur les départements français. Et merci, bye bye. Ça remonte un peu. Ok, 100% QSL, ouais, ça remontait un petit peu de mon côté. Mais bon, ok, je vais laisser la place aux autres stations qu'ils appellent. Pour qu'ils vous aient en fréquence. Je vais y arriver. Merci, bye bye. Ok, vas-y, la vie, la bonne journée, toujours fini à progrès, bye bye. Les 73, la station derrière. Oui, RG 294, Jean-Claude sur Bordeaux. Je libère la QRG là pour Ok Jean-Claude, moi c'est pareil, je ne vais pas perturber davantage la fréquence, je vais les laisser en pleine activation. Merci pour les petits 73, bonne année, bye bye. Bye. Oui, attention Jean-Claude. Oui, Harald, c'est moi, oui. Petit test. Oh, c'est trop tôt là. 1h15. Je tente le coup. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du groupe des Tannants pour 14 km 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33, vous lance appel. À 1h15, pour nous, en France, pour eux au Québec, là, ils sont encore en train de dormir. Tiens, la Roumanie. Ouais, la Roumanie. Ça va être compliqué. Alors là, je suis sur la fréquence moniteur des Colimac. Pas d'accord. Ça, c'est fait. Oui, la propagande est partout. Hein. Ok, ça va être intéressant alors. Les 73 Nico de Dandy 33. Et moi je suis quoi moi? Zut. Les 73 Nico de Dandy 33. Quand on se mélange les crayons dans les modes. Attention Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. L'Allemagne. Ah,
Pino della Dente. Alors, 27-0. Alors là, je suis sur le canal 6. Quand la propague est tournée là, du côté des États-Unis, là, c'est la fanfare sur ce canal. C'est leur canal aux aux Américains. Là, c'est la cour de récréation, là, ici. Sur l'Europe, on a la même chose sur le 5 en supérieur avec les Italiens. Fréquence moniteur des kilobytes, c'est pas la peine. Break pour le département de la Gironde. Comme ça, quand tout, il n'y a pas de problème. À part la betterave derrière qui siffle, je pense qu'il doit être un peu jaloux ou un peu frustré, je sais pas, ou je sais pas. Enfin bref, donc voilà, ici, ça passe petit, hein, ça passe petit, mais voilà, j'arrive à vous entendre, il n'y a pas de problème. Hein. Visiblement, il ne m'a pas entendu. Je ne vais pas déranger davantage. Bon, là, c'est même pas la peine d'y aller. Au-dessus des 27 900. Perso, j'y vais quasiment jamais, enfin du moins jamais transmettre dessus. Déjà, Edin, ça rapproche trop des fréquences radioamateurs. Et deux, c'est pas là qu'il y a plus de monde. L'Allemagne. Oui.
sont sympas. Et hier, on était en alerte parce qu'ils avaient peur des pluies verglaçantes. Ça fait que moins 7 le matin. Là où il n'y a pas eu le soleil, et ben le soir, c'était encore gelé. Hein. Donc le sol était encore bien gelé. Donc voilà, ils ont eu peur pour les pluies verglaçantes. Mais en fait, quand voilà, il a plu dans la nuit, il a bien plu avec bonne rafale de vent, là, ça fait bien. Mais voilà, ben, ce matin, un petit peu de neige, un peu de gadou au sol, et puis on fait avec, on a l'habitude, un retour. Break pour le département 33. Et quand on lance un break comme ça, il faut que ce soit très court. Hein. Alors pour les novices, c'est comme cogner à la porte. On ne s'éternise pas à cogner à la porte. On cogne 2-3 coups, on attend. J'ai entendu que vous parliez, mais c'était inaudible. Hein. C'était complètement inaudible de mon côté. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Hello, Martin. Good morning. Thank you, Martin. Also for you. Happy New Year. Well, for you and the family. C'est pas sûrement pas de son côté pour ma part. Alors, on écoute une fréquence pour voir si où ça peut être libre. Là, j'entends personne. CQDX, appel de 14 km, 3301 qui lance appel depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-525. 27-525, c'est parti pour moi. Ah, il faut bien articuler quand on donne une fréquence. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Oui, les 73 de la station, ça a été très QRP là de mon côté. Voilà, les 73 de la part de Rémi, là sur le secteur de Saint-Émilion. Oui, j'ai compris, Michel, le département, j'ai pas eu Roger, j'ai pas eu QSL. Il y a un petit peu de surmodulation là, du coup, tout à l'heure, avant de lancer appel sur 555, je suis venu écouter là, la fréquence était propre, je reviens. Entre temps, il y a eu un autre QSO qui s'est installé. Bon, désolé, c'est vraiment QRP de mon côté. Et en plus de ça, avec le QSO qui vient d'arriver dessus, là derrière, qui m'arrive assez QRP aussi, ça suffit largement pour me boucher la vue, comme qui dirait l'autre. Bon, c'est pas grave. Les 73-51 à vous, merci pour ce petit coucou. Et peut-être à tout à l'heure, si la propague le veut bien. Merci. Là, c'est la date correcte. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Alors sur le 555, c'est-à-dire le 12 supérieur, n'attendez pas qu'il y ait un passage de libre pour lancer appel, puisque de toute façon, c'est mondial. Hein.
Donc, c'est, mais tant pis, on balance l'appel. On sait qu'on va forcément surmoduler quelqu'un, mais au moins l'appel sera balancé. Et puis, vite QSY. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Bon. Alors là, vous avez vu l'espagnol qui passe très fort. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un gros ampli. Hein. Ça n'a rien à voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la propague joue énormément. Hein. La propague, déjà, d'entrée, c'est un amplificateur naturel. Hein. Donc, avec ou sans puissance, là, on ne sait pas. T'as une petite anecdote, je me souviens une fois sur le canal 19 en AM. J'étais en voiture, j'arrivais sur la rocade de Bordeaux, et là d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui m'arrive avec un bon Santiago 9 sur le 19. Hein. Donc le 19, canal de la route, hein, donc pour les QSO des discussions locales, eh bien, je lui ai dit où je suis et tout, ça, c'est-à-dire sortie 9, rocade de Bordeaux. Le gars, il a été surpris, car lui, il m'a annoncé être, et c'est vrai qu'il avait un accent, il m'a annoncé être sur Lisbonne. Bon, ben voilà, comme quoi, hein, quand la propagation est là, eh bien, ça le fait très bien, peu importe la puissance, peu importe le mode. C'est, voilà, la propagation est un amplificateur naturel, et puis ça passe. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi. Aïe, aïe. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le secteur de Saint-Émilion. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le secteur de Saint-Émilion. Oh, vu le nom du petit village où je suis, personne ne connaît. Alors je donne le point le plus connu qui est à proximité. Quoi. Ah, c'est juste à 15 km de chez moi. Attention la Belgique, attention la Belgique pour le sud-ouest de France, je vous propose un QSY sur le 27-505, 27-505, c'est parti pour moi. Ah, zut. Attention la Belgique, attention la Belgique pour 14 km, 3301, opérateur Rémi qui vous lance appel depuis le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Je sors dans lequel tu renouvelleras mes amitiés et puis bien sûr tous mes voeux pour la nouvelle année et puis à toi de même bien sûr hein. Et puis au plaisir de te retrouver Christian 14 Roméo Bravo Alpha qui termine hein.
Bernard vous transmet toutes ses amitiés une autre fois, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Un po', devo collegarmi. Hello, I'm use ICOM 7300 and 250 now. Capile, vai, vieni, generale. Secure X, Victor Lima 2A, Victor Lima 2A, appel et repasse à l'écoute. 8-1. Dis-moi Christophe, t'as mis de vitamine là. 70. Oui, département 70, pour le département 33. Oui, département 33, bonjour. Oui, les 73-51 vous, de 14 km 33-01, opérateur Rémi, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ok Daniel, 100% QSL, tête de mon côté, là, pour le report, c'est du 59 plus 20 même. Hein. Et non, là, je suis en fixe. Donc, oui, d'habitude, je suis en mobile. D'habitude, je suis principalement sur la route du pro, aller ou retour. Et là, aujourd'hui, là, je suis en fixe. Donc, les conditions de trafic, là, de mon côté, c'est un Yazu FT450AT, avec en antenne une Sigma Mantova 8, qui n'est pas très haute, là, 9 mètres du sol. Et je suis dans un trou, en plus. Donc, complètement fermé, là, de votre côté. Là, la propague est là, donc ça passe partout. Hachi, retour. Dans les montées là. Ok, pour ça,
d'accord, merci pour le retour. Oh, de mon côté, je dois être à 50, ouais, je crois que c'est ça, 50 mètres d'altitude. Bon, j'ai une colline là qui fait le tour de chez moi, qui est à peu près 80-90 mètres d'altitude. Donc là, je suis assez enfermé. Mais bon, peu importe, hein, l'AHF, de toute façon, quand la propague est là, ça passe partout. Hein. Et côté puissance, bon, je suis avec la puissance du Yazoo. Donc en modulé, ça doit me faire à peu près dans les 80 par là, ouais, 80, 85 watts modulés, quelque chose comme ça, voilà. Bon, c'est bien suffisant. Hein. De toute façon, oui, quand la propague est là, bon, qu'on ait un peu de puissance ou pas, ça passe quand même. Hein. Chie trois coups. Mais tout à l'heure, ça, sur le 27-535, c'est vous qui étiez avec avec Lourdes, je crois. Hein. Si bien ça, je suis passé là dessus, là, j'ai entendu, j'ai un petit peu brièvement suivi le QSO, mais la station de Lourdes ne m'arrivait pas de mon côté, hein. Je n'arrivais pas à le sortir. Retour. Ok, non, j'étais sur le Tarn-et-Garonne, 82, là, limitrophe du 31, là. Voilà, l'ami Jean-Dio, qui parlait tout à l'heure qu'ils utilisent beaucoup les trucs internet et tout, alors voilà, pourquoi utiliser les trucs internet si les antennes, il y a la propagation. Mais bon, c'est sûr que par PC, moi j'appelle pas ça des contacts. J'entendais aussi un OM là, du 25 là, sur la petite Sibérie, mais bon, lui il m'entendait pas, il m'entendait pas encore. Hein. Ah, mais moi j'entendais là, un petit peu, là, que c'est pas loin de chez moi, hein, c'est à peu près 100 km, pas tout à fait 100 km de chez moi, quoi. Mais j'arrive à l'entendre avec la détente de deuxième. Ah, non, mais c'est sûr que des fois on peut pas entendre tout le monde, surtout quand la propagation est comme ça, là, des forcillons de droite, de gauche, etc. Et moi ça aussi, voilà, alors là, j'ai aussi des contacts avec le nord de la France, l'OM qui était en mobile camion, voilà, sur le côté du 86 et tout le monde s'entendait. Bon, des fois les progressions, c'est dans un sens, puis des fois ça peut aller partout, hein. Donc ça c'est totalement différent. Mais bon, c'est la progression de l'été, hein, pour l'instant, en hiver. Alors que dans le temps, quand j'ai commencé la radio, ça n'existait pas, ça. Même la progression, elle dirait comme le temps, totalement folle. Voilà, retour à la Rémi. Alors, on va dire que c'est la propagation d'hiver. Je suis trois coups. Pour ma part, je suis sur les ondes depuis 1982. Alors, non. Je suis sur les ondes depuis avant ça, depuis les années 70, depuis tout QRP, avec les petits Akiwalki 27 mégas qu'on avait à l'époque, qui faisaient un ou deux canaux. Et en 82, 4 mai 82, précisément dans l'après-midi même, pour dire que ça m'a marqué à vie là pour le coup, j'ai découvert la Sibie. Alors moi qui venais justement de cet Akiwalki 1 ou 2 canaux, alors là c'était un peu comme une explosion de liberté d'un seul coup de me retrouver avec un 22 canaux FM. Et ça passait bien, ça marchait bien. C'était vraiment, vraiment bien sympa, je me souviens encore de mes débuts. Alors j'ai vu une antenne de push, une Tagra DV27, ouais, la torsadée noire qui doit faire, je sais plus, 1m75 je crois, de fixer sur une valise en alu posée sur le rebord de la fenêtre, et la valise en alu, elle, branchée au radiateur en fonte de l'époque. Et ça marchait bien, hein. J'ai fait des beaux contacts comme ça, ouais. J'ai fait des beaux QSO comme ça. Ah, il faut bien un début à un moment donné, hein. Ça, il faut bien débuter d'une façon ou d'une autre, de toute façon à un moment donné, je veux dire. Tiens, vous parliez tout à l'heure là, d'applications internet. Ouais, non mais moi c'est pareil, hein. Il y en a qui mélangent tout, hein. C'est faut pas confondre les applications de chat internet et la vraie radio. La vraie CB. Parce que certains essaient de faire avaler des couleuvres. Mais bon, celui-là qui connaît pas, qui sait pas ce que c'est, évidemment, bon ben il écoute, hein, il écoute et il fonce droit dedans, quoi. Mais tout compte fait, il se retrouve avec un truc de chat via internet, point barre, quoi, comme il y en a beaucoup sur internet. Hein.
D'ailleurs, tiens, petite anecdote, quand il y a eu là, les problèmes là, sur le sud-est de France, quand il y a eu cette grosse catastrophe là, sur le sud-est de France, où il n'y avait plus de téléphone et tout, eh bien, justement, ceux qui utilisent ces applications demander aux gens de venir sur leur truc parce qu'ils ont ouvert un salon d'urgence pour subvenir, pour apporter une aide aux ceux qui sont dans le désespoir à cause des catastrophes qu'il y a eu sur le sud-est de France. Ben oui, mais ils n'ont pas bien compris que leur application, si le téléphone ne passe plus, eh ben ça marche pas. Donc il n'y a aucune fiabilité à ça. C'est... un de ces quatre, faudra qu'on leur montre ce que c'est. Je déconne avec ça. J'ai rien à leur montrer du tout. Mais dans la déconnade, un de ces quatre fois qu'on leur montre ce que c'est que la vraie radio en liaison directe. Voilà, sur le terrain, au niveau local, il y a, nous, on n'a pas besoin de relais, on n'a pas besoin d'Internet, c'est de la liaison directe. Comme là, aujourd'hui, avec la propagation HI3Q au retour. Il y a beaucoup aussi qui, pour l'instant, qui ne comprennent pas qu'il y a des règles, hein, la méthode, l'hématologie, on ne parle pas sur triple 5, on fait l'appel directement, changement de fréquence et tout, mais ça, ils ne connaissent pas et tout, donc voilà quoi. Bon, il faut leur apprendre, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains, ils ne veulent rien savoir, quoi. Hein. Voilà, on a pour ça, quoi. Oui, mais moi, j'ai commencé là, à faire de la TV en 85, avec un Stalker 4, et puis même 145 ouais. Sur le toit de la chargeuse. Parce qu'il fallait ça dans la secrétie là, pour que les gars m'appellent, parce qu'ils étaient obligés de venir avec des camions, et puis c'était tout un bordel, parce qu'il n'y avait pas assez de place et tout, là. Alors pour manœuvrer, c'était pas facile, puis des fois quand ça glissait, voilà, mais ils étaient planqués. Alors il fallait les retirer par l'arrière pour les sortir du mauvais pont qui s'était mis, là, et puis bon, ils ne pouvaient pas me venir à pied, parce qu'autrement, il fallait les cuissardes, hein, vraiment. Et puis, j'allais leur donner un coup de main, tout ça. Je faisais les contacts comme ça, au début, là. Et puis, j'avais jamais réussi à régler le ROS sur cette antenne, là. Pourtant, un gars qui faisait la TV était venu, et essayait de le régler aussi, tout ça, etc. On prenait pas, on n'avait pas réussi à descendre en dessous de la 8. Voilà, donc, pourtant, quand même, bon, je faisais le trafic comme ça, et tout, ouais, c'est bon, voilà, quoi. Voilà, la propag a balayé et tout ça. Ça peut revenir dessus. C'est comme, même si c'est complètement différent, c'est comme les courants d'air. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Il est toujours là. Ah, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais la propague a tourné là de mon côté. Je ne vous sors plus du tout là. C'est tombé complètement à zéro là de mon côté. Break. Oui, enregistrer le break. Oui, ben en avant le break parce que du coup j'ai perdu l'OM. Oui, bonjour Rémi 73 là de Nico 14 kilo Mike 3308. Là, je vous ai écouté, j'ai perdu moi aussi. Hein. Bon, et c'était assez brutal là d'ailleurs. Ok, les 73 000, Nico, content de t'entendre à nouveau. Justement, puisqu'il me parlait de. J'avais une question à lui poser, justement, là, il parlait de chargeuse. Et je m'apprêtais à lui demander si toutefois c'est pas lui qui a l'identifiant chargeur sur Internet. Et pour le coup, ben j'ai pas pu, c'est pas grave. C'est imagine que ce soit lui que je connais depuis déjà quelques années là sur Internet. Là, je sais pas. Là, pour le coup, ben, ça restera un mystère. Ou ben, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas grave. La magie de la radio. Oui. Alors, on va laisser un blanc là. Peut-être que la station est toujours derrière. Non. Ouais. Je crois que c'est perdu là. Dommage, dommage. Hein. Ouais, alors je vous ai entendu discuter, je sais pas, j'ai écouté 3-4 minutes hein, seulement, j'ai raté tout le reste du QSO là. Du coup l'opérateur là, il était sur quel QTH? Eh bien on a tellement papoté que j'ai zappé. Mais
Il n'y a pas de souci, c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Donc là, c'est, là, je suis parti, là, je dois être à peu près à ouais, 50-52 minutes hein, là, de vidéo, là, je suis en train de faire. Parce que là, j'ai une première partie là, d'une demi-heure là, de tout à l'heure. Puis après, bon, je suis vite revenu à la charge là, dessus, parce que je voyais que ça tournait pas mal sur les départements français, donc j'ai renclenché à nouveau. Et là, tu vois, là, il est 1h55 presque, et boum, je sais pas si c'est pareil sur les autres fréquences, mais là, d'un seul coup, là, c'est tombé. Oui, ouais, j'ai l'impression que ça a baissé un petit peu à côté aussi, là. Il y avait pas mal d'Italiens, là, qui passaient fort. Bon, j'ai pas pris le micro, là, parce que, bon, je voulais un peu changer de pays copié, là. Mais ouais, je crois que c'est passé là. Mais ça risque de revenir, hein. Ça va bouger là aujourd'hui, j'ai l'impression. Oh oui. Bon, mais écoute, félicitations pour ton contact, là. C'est super cool. Hein. Ça fait plaisir, voilà, des contacts comme ça. Voilà, bon, écoute, moi je vais pas me faire plus long, voilà, histoire de faire un petit coucou. Je pense que je reprendrai le micro là dans l'après-midi pour tenter moi aussi là de copier de nouvelles personnes. Et puis on verra si j'ai de la chance. Hachi 3 coups, 73, 51, Rémi, une bonne journée et un bon montage à venir du coup. Ouais bah oui là vu que c'est retombé, c'est rare d'être retombé, ouais c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord finir de répondre, de voir les messages et tout là sur le forum. Facebook, je verrai ça après. Et une fois que j'aurai fini du côté forum, je m'attaquerai au montage vidéo. Oh bah là ça va être rapide aussi, hein, comme le dernier coup. C'est-à-dire les deux morceaux à coller, je me trouvais en vignette vidéo, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre mon... je ne dis rien, sauf si tu as fouillé un petit peu du côté de mon compte, là, sur Facebook. Tu devineras peut-être, je vais mettre en arrière-plan mon fond d'écran du jour. Voilà, dans la vignette de montage vidéo, qui sera... qui ira bien dans le sens de la propagation des ondes. Tu découvriras ça, ou alors au moins que si tu es trop curieux, tu verras ça sur mon compte. Alors, je m'étrangle. Dans les stations, dans les pays que j'ai entendus, là, j'ai reconnu l'Italie, évidemment. Il y a l'Espagne qui m'est arrivée plein pot. Il y a aussi la Roumanie qui est arrivée. Du côté des 40 canons FM, j'ai entendu l'Allemagne. J'ai entendu d'autres pays aussi là je sais plus lesquels mais oui ça tourne pas mal sur l'Europe. J'ai tenté le coup sur le 27 625 à essayer d'avoir des amis là du Québec sur Facebook. Ça correspond au groupe des tenants, voilà. J'ai écouté un petit peu partout, ça c'est ça passe pas du côté de leur côté, hein. C'est Marc, c'est trop tôt quoi. C'est vrai que vu l'heure, ils sont encore en train de dormir ou pas loin de se réveiller, parce que là oui il est 13h55, donc c'est encore un petit peu tôt de leur côté quoi. Ok, je vais te laisser, les bonnes soirées 13h51 à toi, merci pour ce petit coucou. T'as toujours pas, oui, avant de QRT, t'as toujours pas eu le temps de tester ta multi quart d'onde là au sol, je veux dire avec au sol, oui. Ok pour tout, j'ai fait à peu près le même constat là au niveau des pays là qui passaient. Hein. Alors pour les quart d'onde au sol, je prépare là petit à petit là l'expédition avec les quatre quart d'onde au sol. Voilà, tranquillou, je prépare le matos pour l'arrivée des beaux jours, voilà, je vais attendre le printemps histoire de faire ça confortablement. Donc là pour l'instant c'est pas en stand-by mais ça avance tranquillou, voilà, tout simplement. Ok, et eh bien écoute, je vais suivre avec impatience là, la vidéo à venir, Rémi. Je te remercie de m'avoir répondu. 73-51, et puis je te souhaite une excellente journée, et puis peut-être de nouveaux contacts là dans l'après-midi.
Ok, ça marche. Sur la vidéo, de temps en temps, je parle un petit peu comme ça, là, pour les novices, hein, pour expliquer brièvement, comme ça, là, comment ça se passe en BLU et tout ça. Comme par exemple, d'abord écouter une fréquence, après aller sur la fréquence d'appel, lancer appel pour rebasculer après là où on avait écouté précédemment, en espérant que la place n'a pas été prise. Puis ainsi de suite et tout ça. Je mets un petit peu j'ai mis un petit peu de blabla comme ça dedans par endroit. Là pour expliquer au nouveau là qui arrive sur la CB là un petit peu très brièvement comme ça le fonctionnement. Trop en dire du premier coup ça sert à rien. Pour le coup c'est des coups est-ce que ça se transforme en contrainte. Donc quelques petits trucs de lâcher comme ça de temps en temps que ça reste cool, tranquille quoi, voilà. Ok, je vais écouter un petit peu à droite à gauche, là, vite fait, et puis me décider à me foutre au travail. Enfin, sur le montage vidéo, et puis je vois l'heure, faut que j'appelle mon patron, Hachi trois coups, car jeudi, vendredi, je suis en stage, en formation, et du coup, pour le casse-croûte de midi, je sais pas du tout comment ça va se passer. Alors, comme j'ai pas envie d'avoir l'air con jeudi, vendredi, là, midi, j'ai peut-être intérêt à l'appeler pour avoir des infos. Ok. Merci, les bonnes soirées à toi. Merci pour ces petits coucous. Et à la prochaine, ou à tout à l'heure. Oui. Non, mais pour la vidéo, tu as raison. Hein. C'est le meilleur moyen là, pour un novice de voir un peu comment ça se passe. Et voilà, à l'écoute, il va voir ce qu'il faut faire, comment ça marche. Et puis du coup, il n'y a pas que de l'écoute, il y a du visuel là, avec ta vidéo. C'est impeccable hein, cette méthode, je pense que c'est le mieux. Hein. Bah, d'ailleurs, quand j'ai démarré la CB, après je file. Quand j'ai démarré la CB, j'ai beaucoup appris en regardant tes vidéos. Hein. C'était très instructif là pour un petit jeune comme moi. J'ai vu comment ça marchait, comment il fallait faire et tout ça. Non, mais c'est impeccable. Tu as raison de faire comme ça. C'est pas surchargé, je pense que c'est parfait comme ça. Et oui, appelle le chef parce que tu risques d'être pris de court là, sinon. Allez, 73, je te laisserai plus tard. Salut. What, là, j'ai de la moustache derrière. Ok, les 73, bon après-midi à toi. Et merci. Ah si, la propague est toujours là. Alors là, il y a une autre fréquence d'appel. Celle-ci est même plus ancienne. Ce qui correspond au canal 4 supérieur ou sur certains postes 44. Là, 27555, le 12 sup ou sur certains postes le canal 52. Et vu les accents, là, on devine d'où ça arrive. Ah oui, sur la poste de CB, voilà à quoi sert le clarifieur. Quand on tourne ce petit bouton, on ne voit pas le changement sur le poste. Mais en réalité, voilà ce qu'il fait. Il fait naviguer la fréquence, uniquement en réception pour le clarifier lui-même. Le 47 signal, Nicolas. Bonjour, papa, c'est un guané qui est toujours Chambourg. My name is George. Juliette, Oscar, Romeo, Golf, Echo. Repeat, please. Le ronflement qu'on entend, il y a des chances que ce soit son alimentation qu'on entend, hein, qui passe dans le micro. Ok, I'm sorry my friend, I'm sorry, your signal is not very good. Your signal is not very good in Luxembourg. I copy to you, but the propagation is bad. Ok my friend, 5-4, Papa, 10-182, go ahead, back to you.
Avec la propague, on les entend bien. Hein. Bah là, franchement, moi ce matin, bah, depuis tout à l'heure, hein, j'ai juste entendu les... Bah, j'ai entendu un petit peu l'Italie, mais... Les départements français, hein, l'Italie, ça passait pas très fort ici ce matin. Ah bah ce matin, j'étais pas en fréquence, là. Bon, j'ai eu une station du Mont Le Gradiano depuis au moins, on a discuté un bon quart d'heure, là. Ça passait bien, mais avant, j'avais une autre station du côté de Narbonne, là-haut. Et pareil, on s'est perdu. Lui, il m'entendait plus. Moi, je l'entendais encore un peu, mais on s'est perdu. Puis c'était un OM à Barcelone. Je passais à 9 à Barcelone. C'est Barcelone qui me répondait, quoi. Ah, la propagation, c'est du yo-yo. La propagation, c'est un véritable amplificateur naturel. Donc, ce qui veut dire que du côté activité solaire, il doit y avoir des bonnes éruptions solaires de ce côté-là, là, qui nous favorisent là maintenant. Bah ouais, bah oui, bah j'ai perdu l'OM avec qui j'étais en QSO, pareil. Ça fait la même chose, ça dit pareil là. Bon, là, c'est sur les départements français et l'Europe. D'autres fois, ça va être. Il y en a qui arrivent à attraper l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Guadeloupe, les Antilles, les USA, Québec, Canada, ainsi de suite. Hein. J'en ai même entendu qui ont pu faire dernièrement du côté. Je ne sais plus si c'est la Chine ou la Thaïlande, je ne sais plus trop. Bref, du côté de l'Asie, certains ont confirmé des contacts là du côté de l'Asie. Donc ça fait un bout de route comme qui dirait l'autre. Ça c'est comment expliquer? C'est de la transmission informatique, mais pas forcément professionnelle. C'est du côté radio amateur, il y a des transmissions qui se font, genre SSTV, et ainsi de suite. La liste est longue. Hein. Et ça s'est pas mal développé sur ces plages de fréquence, là, un peu plus haut. Là, je sais plus exactement ce genre de truc. Hein. Bon, je pourrais pas donner plus de détails là-dessus. Hein. Il faut chercher sur Internet. Hein. Il y a toutes les infos. Hein. Toutes les infos y sont, cherchées du côté des sites radio amateurs, tout ça, quoi.